Bonjour VOD. Et salut Bloody. On avorte un peu le projet Diablo. Je vais y jouer ce soir, mais... Ouais, voilà, ça marche pas. Mais c'est pas grave, on retrouve... on retrouve Léon. Ce qui est du coup plutôt cool. Et en lançant le jeu, j'ai eu ça. Les points de complétion PC peuvent être échangés contre des récompenses à la boutique spéciale de la section bonus. Et en fait, j'ai complété apparemment des défis, je dirais, ou je sais pas quoi. Ceinture noire, ça va péter, couteaux sont plus rapides. Et du coup, j'ai un nombre total. Condition, vaincre 10 ennemis avec des explosifs. Ah! Ah non, j'ai pas un total de PC, bah c'est parce que j'ai pas fait ça. Avec des explosifs. Ah si, peut-être! Si, peut-être parce que j'ai fait exploser des tonales. PC obtenu en complétant des défis peuvent être échangés contre des récompenses à la boutique spéciale. On va regarder ça tout de suite, attendez. Boutique spéciale. Je peux pas voir ce que c'est? Il y a des trucs, mais c'est... Ah, d'accord. Modèle de personnage. Modèle du personnage, visible dans la section modèle. Ah, mais c'est juste ça. C'est pas des skins. Je m'en fous, alors. C'est pas des skins. Oh, je peux débloquer une poule. Oh, je peux débloquer une tweet. Je pense qu'on va acheter juste les animaux. Je vais acheter la poule. Voilà. C'est pas ce que je fais. N'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Concept art, on peut acheter. Apparence, du coup. Bah, je les ai pas débloqués. Donc c'est ballot. Ah, là, on a des bonbons. Ah non, c'est les trésors. Ok. Voilà, voilà, voilà. Là, il y a de Léon de dos. Alors, je le débloque. Et là, il y a des œufs de poule. Voilà. J'ai bien dépensé mes sous à la boutique spéciale. On va pouvoir aller jouer. J'ai rien compris. Mais il y a des défis, en tout cas, à faire. Vamos a la plaga. Complétez tous les défis. Un don pour s'attirer les ennemis. Finir chapitre 2. Ok, d'accord. Bon, allez, on va pas se spoiler la suite. Et modèle, du coup, j'ai différents modèles. Mais en fait, j'en ai pas. Voilà. Voilà, voilà. Allez, on va lancer le jeu. Hein, au pire, on joue juste. Ça me va, moi. C'est parti! Planète 2 édition Resident Evil. Non, mais... Je sais pas, moi, je comprends pas. Je débloque juste des images. Incompris, moi non plus. Non, mais en fait, ils essayent de faire, voilà, de rajouter des trucs un peu in-game. Sauf qu'il aurait fallu qu'ils fassent plein de skins dans ce cas-là. Là, ça aurait été le motif, quoi. Waouh! C'est bon, là? Attendez, je refais un petit tour. Ok, c'est bon. Le jeu, il est pas un peu... Je sais pas, j'ai l'impression qu'au niveau de son visage, il est... un peu plus lisse que d'habitude, je sais pas. Il a plus sa veste, c'est chaud. Oui, il a plus sa veste. je suis en... C'est bon. Mais je sais plus si je joue en QWERTY ou pas. Par contre, fallait que je rebagne 2-3 trucs, parce que s'accroupir avec eux, c'est quand même giga instinctif de fou, hein, mais je vais quand même changer. Examiner, prendre un objet. Moi, j'aime bien que ce soit eux, ça. Oui, je sais. Eux, c'est autre chose. Mais je vais mettre quelque chose d'autre. TKT is ok. Ah, donner un ordre à Ashley. Eh ben, ça... ça, à limite, je mets sur ma souris, si je peux. Ah, c'est déjà pris? What the fuck? Comment ça c'est déjà pris, ma souris? Que quoi que tu racontes? R! Recharger. Eh ben, je peux aussi le faire sur la souris. Ah ouais, non mais ça, je savais pas, je peux tout faire à la souris, là. Oh, mais c'est trop bien! Bon, je vais mettre autre chose, alors. Un ordre à Ashley, un ordre à Ashley, un ordre à Ashley. Bah, je mets... je mets F. Voilà. Très bien. Ok. Là, je pense que c'est bien. Et shift pour courir. Esquiver. S'accroupir, se relever, esquiver. Ouais, contrôle, ce sera mieux. Ok. Ok. Nickel. Alors, on vient juste d'entrer dans cette maison. Je sais plus trop où on était, mais on était quelque part en Espagne.
Et en fait, on doit aller là. Je me rappelle même plus pourquoi on va là. Excusez-moi, j'ai un peu loupé l'or là. En signe de vénération pour leur maître, les habitants offrirent leurs biens les plus précieux. Un vieux fermier, sa meilleure récolte. Le porcher fluet. Attendez, je mets même pas d'autotune là. Attendez, attendez, faut que je mette un peu un petit truc là. Ah ouais, on va faire. Le compteur. En signe de vénération pour leur maître, les habitants offrirent leurs biens les plus précieux. Le vieux fermier, sa meilleure récolte. Le porcher fluet, son plus gros cochon. La vieille femme démunie, son enfant bien-aimé. Le maître se réjouit devant ses offrandes. C'est quand même la mère qui est la plus pas cool, quoi. Genre la daronne, elle, quoi, elle offre son gosse. Elle offre un truc qu'elle a fait elle-même de son propre vagin. Qui est pas forcément... voilà. Et il a rien demandé le gamin, et on lui offre. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est à la fois radin, à la fois pas fou. Salut! Salut, Miyune. Même si le cochon, c'est pas fou non plus, j'avoue, ça dégoûte. Du coup, cochon, enfant et récolte. Je pense que s'il y a une énigme, ce sera un rapport avec un cochon, un enfant et une récolte. J'ai des clés, mais elles me servent plus à Rin. Parce que bah, je les ai déjà utilisées, faudrait que je les vende. En rentrant dans la maison, je suis montée directement, mais je crois que j'avais pas fini tout visiter, ou je crois que j'avais peut-être fini tout visiter, je sais plus. En tout cas, on va fouiller un peu. Ah oui, ça c'était les toilettes où il y avait l'autre. Il est trop deg. Est-ce qu'il est trop mort? L'ambiance de la maison est très cool. J'aime beaucoup. Ok. On aère un peu. Ah! Attendez, là, il y a un truc que j'avais pas vu. Ah si, il y a des photos! Si, si, on les avait vues. On les avait vues et il y avait écrit derrière en texte un peu chelou. Voilà. Enfin, chers de notre chair, sang de notre sueur, remercions le Seigneur. Chers de notre chair, sang de notre sang. C'est eux qui ont donné leur gamin? Ah, le truc, ça fait... Oh, grenade! Pourtant j'étais... Ah non, j'étais pas venue ici, j'eus cru, mais pas du tout. Des sous. Ah. Le premier du coup, c'était la récolte. Le deuxième, c'était le cochon. Le troisième, c'était le gosse. Voilà. C'est tout pour moi. Qu'est-ce qu'il disait ? Bille de cristal. Bille, balèze la bille. Hein. Ok, est-ce que je peux mettre la bille de cristal là-haut? I am de fou, I am sur 20. Putain! J'ai utilisé plein de balles en plus! Oh shit! Je peux me faire des popos. On va se faire des popos. Mission de mitraillette. Mais j'ai pas encore de mitraillette. Hein. Je l'ai pas prise parce que je sens que je gaspillerai trop de balles sinon. Est-ce que c'est celui des chiottes? Le fumé là. Mais c'est fou! C'est celui des chiottes! J'aurais pu faire quoi? Trop bien Resident Evil 4, j'adore! J'adore aussi! J'aurais pu faire quoi en vrai là? Ça dégoûte, ça dégoûte. Du coup voilà, avec ça, bon ça on a lu. Et est-ce que la bille de cristal va ici? Bah je pense. Hein. Dans les énigmes de Resident Evil, c'est pas le plus difficile, mais qu'est-ce que je fais? Oh trop cool! Faut que je fasse quoi, la libellule qui est derrière? Oh, le bruit est très sympa, hein. Oh là, je suis bien, mais... Ah mince, faut que je... Je peux faire que à la souris. Ah, je suis pas trop mal, là, je trouve. Oh, c'est bon, oh. Voilà. Oh
cool, j'aime bien faire des petites interactions comme ça. Pas juste quand tu dois faire E une fois que t'as trouvé l'objet. J'aime bien. On m'appelle un rêve qu'a fait mon père quand j'étais bébé. Il m'a dit avoir vu Dieu et que Dieu lui a ordonné de me donner en sacrifice. Alors mon père l'a fait en rêve pour prouver son dévouement. Et Dieu lui a dit que c'était bien. Voilà. Excuse-moi, mais ton père, il est flippant. Sans vouloir manquer de respect. Oh, le jeu, ça va. Le ciel est étrange ces derniers temps. Le blé se dessèche et les vaches maigrissent. Ah mince, non, mais c'est pas un gros texte en mode non, bah non, je vais faire plus. Peut-être un petit truc comme ça, là, genre. Un petit doigt, allez. 10 octobre, le ciel est étrange. Non, je vais pas faire ça, genre. Le ciel est étrange. Ces derniers temps, c'est la radio qui vous parle. Le blé se dessèche et les vaches maigrissent. 8 décembre. Il y a des signes de famine. Il est vrai que nous manquons de main-d'œuvre pour les travaux des champs. Mais les ordres de l'ordre, ça meurt, ne saurait être remis en cause. 30 janvier, 30 personnes sont mortes de faim. 5 vaches vont être abattues. Les patriarches, 11 mars, les patriarches se rassemblent pour tirer au sort. 6 de plus ont été choisis pour l'ordre Sadler. Avril, 8 de plus aujourd'hui, date manquante. 4 de plus aujourd'hui, date manquante. 11 de plus aujourd'hui, date manquante. 2 randonneuses égarées se sont aventurées dans le village. Nous les avons amenées à l'hôtel pour le rituel. Pas besoin d'effectuer un tirage au sort aujourd'hui. Ambiance ! Mais ils sacrifient pourquoi ? Parce qu'ils ont faim ou pour Dieu ? Quoi que ça veut dire. C'est lui, Lord Sadler. Et c'est lui qui, je pense, nous a inoculé. Attention à bien le prononcer. Le virus T. Ah, il s'en va déjà ! Attends, j'ai pas fini de fouiller ! Il est là. Oh ! On les infectés ? Bah ouais hein ! Dans la cinématique en tout cas, au tout début, on se fait choper, on est infecté hein ! Ton sang a accepté le temps. Voilà. Oh, ça lui fait rien du tout hein ! C'est Ada Wong ! J'espère que vous entendez bien le jeu. J'ai peur que vous entendiez pas bien le jeu. Je vais mettre plus fort le jeu. Moi j'aime l'ambiance moi. Bah oui, il était pas conscient, il sait pas ce qui lui est arrivé, on a vu des flashs. Oh Léon, il est douillet. Quoi, le chapitre est terminé déjà, mais j'avais pas fini de fouiller. Oh non. Ça fait 2 fois que ça me fait ça le jeu. J'ai pas le temps de fouiller. Ah, j'étais vraiment à la fin du chapitre, j'aurais pu aller plus loin alors hier. Tant pis. Suivant. Oui. Let's go. Félicitations, papa. Perchoir à Condor 1, j'ai les infos que tu voulais. J'ai des problèmes, Condor. Apparemment, il a travaillé comme chercheur pour Umbrella. Tu parles que de travail. J'aurais dû le laisser pourrir d'un sac. Ah. Je t'envoie les détails. Regarde, mais Eglon reste la priorité. Bien reçu. Je me dirige vers l'église. Condor 1, terminé. Ah non, Condor, c'est... Elle, c'est quoi ? C'est Oracle ? À peu près. Ok. Du coup, c'est pour ça qu'il nous a pas tués. Même si j'avoue, Ada, elle est sûrement pour quelque chose. Bon, carte mise à jour. Allez à l'église. Mais attends, je fouille là. Non, parce que bon. Il est mignon, hein. Mais j'ai pas pu fouiller, moi. J'ai fouillé ça. Et ça. Qu'est-ce que c'est, ça? Voilà. C'est bien, ça. Moi, je pense que c'est bien. Ada est venue réparer ou bien c'est pas RP? Bah si, y'a. Mais effectivement, pour moi, le carreau devrait être éclatax et ça devrait pas être le seul, quoi. Mais y'a quand même un petit trou. Un petit trou. Mais je peux faire que des interactions en ayant quelqu'un.
Bon bah c'est pas tout de suite alors. Plus beaucoup de balles parce que j'en gaspille énormément. Des ballots. Ashley, ben oui, on n'a pas encore Ashley là. On n'a pas notre mate, alors bon. Mais en vrai, un petit saut. Eh Léon, tu tends un peu le bras. Hein. Pire, tu prends le flingue que t'as dedans, là, tu t'agrippes le truc, là, tu le descends. Hein. Oh, moi, je peux te montrer, moi. Tu prends une chaise. Tu montes sur une chaise, au pire. Hein. Est-ce que tu dois forcément monter sur un humain? Qu'est-ce que je viens de dire, là? Qu'est-ce que je viens de dire? Se calme, hein. Excusez-moi, j'ai pas réalisé tout de suite. Ça arrive, ça arrive. Je vais arrêter et je vais juste jouer. J'ai vu quoi, Lox? Du holy. Ça rend fou, je vous jure. Là, j'avais déjà fouillé. On va regarder la map, du coup, j'imagine que c'est... chiant, ça. C'est par là? Ah, mais là, il y a des trésors derrière. Attendez, je vais backpad un peu. Ça veut rien dire. Je vais revenir un petit peu sur mes pas. Voilà. Apparemment des trésors dans ce coin là. Ah mais c'est des trucs auxquels je peux pas encore accéder, c'est ça? Des trésors que j'aurais ratés. Ah mais c'est dans la bouillabaisse. C'est dans le puits de caca. Ouais mais les trésors dans le caca, moi très franchement je les laisse. Ça me botte pas des masses. Et il y a sûrement ça, mais ça j'ai pas d'interaction avec. Il y a ça. Est-ce que je suis là, je suis sur un trésor? Ah non, pas du tout. Ah, peut-être... Mais non, mais ici, je suis au-dessus d'un trésor. Mais je peux pas encore, en fait. Ah non, c'est un peu derrière moi. Au-dessus de ma tête. C'est toi, le trésor? Oh oui! Ok. Est-ce que je peux le faire au coutal? Oui. J'en ai... Ah bah tu m'étonnes des perles sales, t'as vu dans quoi elles sont tombées les perles? Ah d'accord! Tu te rends compte que t'es possédé? Mais non, mais c'est que des fois on parle vite, c'est tout. Moi je parle vite tout le temps, regarde là je le fais actuellement. Bon non, je vais pas y retourner parce qu'on va y retourner de toute façon avec Ashley. Oh non, il y a des loups! Oh je vais le libérer, il va me sauter dessus mais je m'en fous. Hein. Sauve les animaux! Il va me sauter dessus. Hein. Non! Fais attention à toi. Il me saute pas dessus, ce sera mon bro pour la vie. Un moment, il va. Je suis sûre, un moment, il va intervenir pour me sauver la vie. J'en suis sûre. Je gaspille des balles de ouf, ça m'énerve. Est-ce que je peux en fabriquer? Pas encore. Mais attends, j'ai pas ça. J'ai plus de ferraille. Bah si. De la ferraille G. La ferraille de gauche, quoi. Ok, ok. Ok, on a croisé un loulou. Du coup, maintenant, j'ai la clé pour ça. Non, c'est pas celle-là. Pardon, c'est celle-là. Les clés, elle est, hein. On connaît. Oula, va falloir sortir la lampe, s'il te plaît. Ah non, ça va, les yeux, ils font la mise au point. Ils font la mise au point et la gestion de l'éclairage, c'est gentil. La poudre normale, mais j'en ai de la poudre. Moi, ce qu'il me faut, c'est de la ferraille. C'est trop simple. Il y a une save auto quand je suis arrivée dans la zone ou pas? J'ai pas vu. Ça m'arrangerait. Font la mise au point. Bah oui, t'entends dans une zone, tu vois rien, et puis tout d'un coup, pof. Mise au point. Ah, j'étais en train d'imaginer ce que ça ferait de mes yeux si mes yeux faisaient la mise au point. Ah, sauvegarde auto, ok. On entend des loulous. Peut-être que
sais. C'est pour ça que j'ai expliqué. Je me suis dit, ouais, ça a dû se voir en live que j'avais une tête chelou. Je vais peut-être leur expliquer ce que j'ai pensé à l'instant. Pourquoi j'avais cette tête chelou. Ça, on a déjà fouillé. Donc, on est de retour dans le village. Du début. Il fallait que j'aille à l'église. La mâchoire, eh, ils font extrêmement flipper. Oh, la mâchoire des machins. Oh, ils me rattrapent trop. Vite, faut que je fasse. La mâchoire, non mais regardez ça. Ah, ils sont vraiment... Franchement, ils sont vraiment flippants. J'entends des bouts de ouf. On va se réparer, ne vous inquiétez pas. Je m'isole un peu. J'ai envie d'attirer un autre truc, là. Je peux me faire un gros soin, un petit soin. Par phrase de Maxi Catmo ce soir. Non, c'est qu'elle réagit à tout ce que je dis, elle réagit vite. Vous êtes pas là, vous. Vous êtes pas là. Je peux faire des missions de fusil, c'est cool, mais mon fusil, là, il va pas m'être ici, je vais faire ça. Je vais peut-être attendre de pouvoir en faire des balles qui m'intéressent. J'ai combien? J'ai 10, alors vous voyez pas, mais j'ai 10 trucs comme ça, là. Poudre. On va attendre, on va pas se craft tout de suite. Par contre, je vais bien me soigner. Donc là, il y a des trésors. Et c'est dans des zones où je peux pas encore aller. Il fait le moteur mais à la bouche. Quoi? J'ai été repéré. Quoi? Qu'est-ce que t'as le jeu? Explique-moi, dis-moi avec des mots. Dis-moi des mots. Bon bah je vais là. Attends, ça si je le casse, ça fait quoi? Ça fait rien. Ça pue? La dame est pue? Il a fait ça. Là, j'aimerais bien voir si quelqu'un vient. C'est pour ça qu'il s'est... Ok. J'ai dit ça pue. Et en fait, il a fait ça. Et au moment... À ce moment-là, il y a un paix sur mon live. Je trouve qu'on a... On a vraiment une sacrée... Une sacrée synchro. Est-ce que je peux désactiver? S'il te plaît. Oui. Sans utiliser de balles. Parce que ça fait un peu chier. Station bombe, ouais. Oh mais j'ai vu. Tu traites tes playlists Spotify. J'utilise pas Spotify. Je devrais utiliser Spotify.
Bibi, oui, oui, non, mais vous inquiétez pas. C'est bon, j'ai désamorcé. La Bibi pue. Ok, j'ai vu ici que je pouvais avoir un truc. Est-ce que maintenant je peux passer ou pas? Avant je pouvais pas, je crois. Non. Non, bah ça je pourrais qu'avec Ashley, faudrait que je monte, ok. Bon, là il y a du zombard. On va aller par là. Oh, merde! J'avais pas vu! Oh merde! Ah, c'est là que j'entendais du bruit. Bon, oh, ça me semble être une très bonne idée de faire ça. Tu sais, tu peux prendre l'échelle aussi pour éviter de te niquer la cheville, hein. Un piège à Léon. Il y a un piège à Léon. Oui, un témoignage. Attendez, elle vient d'où la voix que j'entendais? Parce que là, il n'y a plus personne. Hein. Prendre l'échelle, c'est pas assez badass. C'est vrai. Ah, je pensais que j'aurais besoin que d'une balle. En visant bien. Bah non. Regarde autour. Si je passe, est-ce qu'elle me voit? Je pense que oui, hein. Faire un massue à tout. Ah, elle se relève, je crois. Non, c'est bon. Ok, attendez, j'ai pas essayé de passer par la porte là-bas. Je vais y aller. Et constater que je peux toujours pas, je crois. Hein. Ah, si, je peux! Vu que c'est ma quête principale, je vais faire juste après, je vais encore visiter un peu ça. Mais je pense que ça c'est la suite en vrai, je vais peut-être pas. Oh, t'étais bien, voilà. Ah non, ok. Non. J'ai vu Léon, j'ai vu. Le bibi, mais si ça se trouve, j'aurais peut-être pas dû le désamorcer, hein. Parce que là, il va se passer un truc, et ça va activer probablement, je sais pas, une séquence. Et du coup, en fait, le bibi, il aurait peut-être pu m'aider à éliminer des zombies qui vont arriver maintenant après cette séquence. Et oui, j'ai pas été maligne. Oh là là, la petite fumée, là. Petite vapeur. Hop là, coup de cul dans la chaise. Merci beaucoup pour les munitions, j'adore ça. Très théâtral tout ça. Dors
bien. Alors attendez, on va mettre un petit. Voilà, comme ça. Désolé. Dors bien et continue à t'épanouir, cher enfant. À mesure que ton corps se développe, tes mères te cousent de nouveaux vêtements. Avec 7 quintaux de blé et, la moitié d'un taureau par jour, tu es déjà trop grand pour ton parc. Épanouis-toi, cher enfant, pour tes frères et sœurs qui n'ont pas cette chance. Mm-hmm. Bah c'est vrai qu'il est très grand, hein, le... Waouh ! Comme quoi, on peut être grand et se cogner la tête. En fait, ça arrive d'ailleurs souvent, je pense, quand on est grand. Donc en témonia, t'inquiète pas. Il y a quand même une sacrée coupe de Karen derrière. Mais trop pas! En plus, il a les cheveux un petit peu comme ça, là. Ça marche, Grisou, pas de soucis, t'as raison, vas-y, hein. Profite. Oh, tu m'as fait peur. Le vendeur, ça tombe bien, on a un peu de thunes. Astuce du marchand, le choix de la prudence. Marre de manquer constamment de munitions? Eh bien, j'ai ce qu'il faut. Le lance-carreau va te changer la vie, l'ami. Ces projectiles peuvent être récupérés et réutilisés, de quoi faire de sacrées économies. N'oublie pas non plus d'acheter la formule des carreaux pour transformer les carreaux en couteaux. En carreaux, les couteaux, pardon, que tu as en trop. Avec ça, pas de soucis de munitions. Et ce n'est pas tout. Ah, t'as des mines. Attends, il faut une petite voix de... Voilà, une petite voix comme ça. Marre de manquer constamment de munitions? Eh bien, j'ai ce qu'il vous faut. Ouais, c'est bien. Et c'est pas tout. Attache des mines adhésives explosives de proximité au carreau pour transformer l'arme en redoutable lance-mine. Tire sur un ennemi pour qu'il explose aussitôt et vise le sol ou une paroi pour poser une mine de proximité. Tu perdras le projectile, mais... on ne fait pas de mettre sans casser les œufs. Excusez-moi, je lisais plusieurs trucs en même temps. Du coup, j'ai eu du mal. C'est pas malin, normalement, hein, Lynn. Quelque chose qui pourrait bien te plaire. Oui, je me doute. Ah, il y a une quête. Vipère à point. Un de mes amis est gravement malade. Avant qu'il ne passe l'arme à gauche, j'aimerais lui faire goûter une excellente vipère que l'on trouve par ici. Rien à voir avec les couleuvres que ces fanatiques veulent nous faire avaler. Oh, ça balance. Ça balance. Y a-t-il un charmeur de serpent pour me prêter main forte? Vendre 3 vipères. Mais j'ai jamais vu de vipères, moi. Peut-être dans la zone de le... qui sera plus loin. Mais ok. Bienvenue. J'ai quelque chose de nouveau pour toi. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'affaire. Les rubis, je pourrais les vendre tels quels, mais je pourrais aussi les mettre sur un truc. Je vends si j'ai besoin, je vais faire ça. Alors, est-ce qu'on fait la puissance? J'ai du coup le lance-carreau, mais j'ai pas la place, mais c'est pas grave, ça on peut en faire. Ça t'en aura pour ton argent, je te le garantis. D'accord. Mitraillette compacte. Après, je peux faire des pales de mitraillettes, donc ça pourrait être un moyen de les utiliser. Premier soin, ça coûte une blinde. Et les formules, c'est cher aussi. Le lance-carreau, c'est petit ou pas? Je sais pas, moi. Carreaux sont réutilisables. Faut que je mette ça dans mon coffre. C'est mon coffre, ça. C'est quoi ça? Je comprends pas. Ah, c'est un rangement en plus que j'ai, non? Je comprends pas tout. Ok. Attends, il disait que je manquais de place, c'est ça? Quand tu
tu veux surtout. C'est combien le lance-carreau ? Oh, c'est bon, je peux le prendre. Pour acheter cette arme, il suffit pas d'avoir de l'argent, il faut aussi du cran. Surtout de l'argent quand même, franchement. Le manteau qui t'a juste pesé 5 tonnes, il doit être musclé de fou le vendeur, c'est vrai. C'est tout ce que j'ai. TV World of Final Fantasy à 10€ sur Steam et je redis, c'est un très bon Pokémon Nike. Ah, je me rappelais pas qu'on avait parlé de ça. World of Fantasy. Ah mais là, j'ai plus de thunes moi. j'ai plus rien là. À ce mois-ci, on va y aller mollo. Hein. Restaurer la résistance. Modifier permet de compenser un manque de compétences. Regarde tout mon œil. Ah là, je peux le réparer. Oh, putain, ça coûte des sous quand même la réparation. Il me faudrait le plan pour faire les carreaux. Il me faut le plan. À quoi tu tiens le plus ? Bah je vais à vendre. Mais calme-toi, oh là là, ça va, je vais t'acheter des trucs, ça va. On va prendre de quoi acheter les carreaux. De quoi crafter les carreaux. Est-ce que je peux t'aider pour autre chose ? Et puis je vais réparer mon couteau et puis j'ai plus de thune. Voilà, voilà. Fais bonne route. Je peux sauvegarder par là. Prendre la place, hein. J'ai quand même mes petits œufs, hein, toujours. Tac. Bon, j'ai mis mon snipe de côté. On va voir si j'en ai besoin. N'hésite pas, Grisou, à le mettre dans bon plan sur le Didi. Parce que moi, j'ai oublié. Hein. À la fin du live, j'ai déjà oublié ce que tu m'as dit. Hein. Est-ce que je peux déjà faire des carreaux? Ah ouais, je peux déjà en faire. Allez, j'en fais un. Non, j'en fais un, j'en fais quatre du coup. J'ai une lunette avec ça. Je vais l'essayer, on va voir. Et puis ça peut être bien pour les trucs qui pendouillent plutôt que de... Pourquoi c'est jaune ça? Quand c'est jaune, ça veut souvent dire « Hey, il y a un truc pour toi !» Mais non, pas du tout. Là, on dirait plus une sorte de ruche. On voit rien. Ouais, comme ça, quand il y a des trucs qui font du rond, bah je pourrais récupérer mon carreau. Mais j'imagine que j'ai une chance qu'il se casse aussi. Oh, dis donc. Ça doit être là. Ah, c'était cette église-là, d'accord. Oui, je vais essayer de le faire. En loose dé. Ma vie sur R4 après quelques heures de jeu, c'est Léon sur 20. Donc c'est bien. Il est très cool. Je l'ai déjà un petit peu donné tout à l'heure, mon avis, à quelqu'un qui m'a... Qui... Je sais plus. Je sais plus pourquoi je l'ai donné. Et ouais, je le trouve sympa. Il y a des nouveautés, du coup, bah... Voilà, c'est bon, il est mort. je peux vous parler. Il y a des nouveautés, alors ça fait plaisir. Moi, je me rappelais pas bien du jeu, du coup, bah c'est beaucoup de découvertes quand même, de redécouvertes. Il est joli, je dirais techniquement, il pourrait être un peu plus joli, un peu plus chatoyant, parce que c'est pas parce que le jeu de base était assez terne qu'on est obligé de répéter ce côté terne, mais c'est aussi un choix. Et ils ont vraiment tout refait, donc même les cinématiques sont pas vraiment les mêmes, les passages sont pas vraiment les mêmes et tout, donc c'est sympa. C'est quand même cool. Et puis c'est mon jeu, c'est mon Resident Evil préféré, alors
Alors je suis quand même super contente d'y rejouer. Sachant que j'avais pas joué depuis, comme je disais, vraiment longtemps. Vu que moi je suis pas très jeu rétro, je suis pas quelqu'un qui va rejouer souvent aux jeux de mon enfance ou de mon adolescence. Pas du tout même. Donc quand des remakes qui sortent, c'est... C'est souvent une surprise pour moi, vu que les jeux, j'ai eu le temps d'en oublier une bonne partie. On a toujours des raptors. Hein. Les corbacks sont toujours immenses. Ok. Moi, je tue pas de corbac. En même temps, c'est un remake. C'est une revisite du jeu. Bah ouais, en fait, ils ont refait des trucs, quoi. Ils ont vraiment rajouté, ils essayent de rajouter des choses et tout. File d'attente, c'est déjà mieux sur Diablo ? Ouais, tant mieux. Je voulais couper ma cam, voilà, mais je veux pas couper la VOD comme je fais parfois. Oracle ! Condor 1 à Perchoir. À Perchoir ? L'église est fermée. Et Eglon ? Négatif, toujours rien. Mais l'endroit est aussi verrouillé qu'une prison. Je vois. Si Eglon ! Ça, il y a forcément une raison. Un mot qui existe ? Elle est là. Il n'y a pas de doute. Je vais chercher un moyen d'entrer. Condor c'est 1, Ada. Terminé. Vous pensez qu'Eglon c'est Ada? Moi je pense que possible, ouais. Hop là. En tout cas, ça aurait dû être pigeon. Pour moi, c'est Ashley. Ah oui ! Ah bah oui, j'avoue. Je pensais pas qu'elle avait un nom de code en mode oiseau stylé. Mais oui, bah oui. Oui, parce que Ada, ils se connaissent pas en fait. Je sais même plus pour qui elle bosse, Ada. C'est une espionne que Léon croise par hasard. Ouais, voilà, je me rappelle de la rencontre. Un nuisibeu. Attendez, un nuisibeu. Ce soir, les E bug dans les jeux, du coup, c'est thématique. À l'extérieur, est E nu pour la fille. Ah non, c'est fait exprès. Ah, parce que c'est effacé. C'est effacé, c'est ça. Ah oui, c'est effacé, GG. Trop stylé. Et E nu pour la I. Enfermez-la en aigle-ze et tendez les ordres de votre seigneur. Jusque-là, gardez-la de église fermée. La clé sera conservée dans... C'est dur de lire sans les mots qui manquent. Sans les lettres qui manquent. Dans le grotte de l'autre côté du lac. De l'autre côté du lac. Le monstre se chargera de cet intrus imprude. Imprudent. C'est vraiment dur. Le lac. De ne pas oublier... Enfin, de ne pas oublier d'enlever les lettres qui manquent. C'est Ashley ! Gardez-la enfermée dans l'église jusqu'à l'heure prévue. Ok. Ça marche ça ? Ah ouais, d'accord ! Diamant jaune. Bon, c'est pas terrible comme couleur pour un diamant, quoi. T'as bossé pour Umbrella à la base. Maintenant c'est un agent double après. Je m'en rappelle plus. Elle fait un peu double jeu alors je sais plus. Let's go. Oui. Ah, c'est beaucoup moins haut que ce que je pensais. Ah oui d'accord. Ah, on est dans des catacombes. Bon, minuscules. Il y a beaucoup de falaises en Espagne, quand même. On va ouvrir ça. Ah oui, il y avait des... Alors, attendez, il y avait des vipères à choper, mais j'ai pas croisé de vipères, moi. Depuis tout à l'heure. À moins qu'elles soient dans les arbres. Mais ça m'étonne, j'ai une quête au vendeur. Oui, allez, ouvre. Chez le vendeur, j'ai une quête sur les vipères, mais j'en ai pas vu. Il est trop beau gosse, Léon, c'est pas permis.
J'aimerais bien être aussi beau gosse. Et il n'existe pas, ça peut te rassurer. Ah, j'ai récupéré deux carreaux. J'en ai mis deux. Ah oui, j'en ai mis plusieurs, oui, c'est vrai. Ah, ça, il n'existe pas. Tu viens de me rassurer, mais t'as pas rassuré en témoignage. Je suis allé dedans. Hey, c'est pas mal efficace, hein. Merde. Voilà, là j'étais au cac, je pouvais plus faire grand chose. Écoute, si ça peut te rassurer, hein, il n'existe pas jusqu'à ce que quelqu'un décide d'enfin adapter Resident Evil au cinéma avec quelqu'un d'autre que... Comment elle s'appelle l'actrice ? Chier, je me suis un peu embrouillée. Ah, il est pas mort ? Miège de Buffy. C'est ça. Il y a eu une adaptation Resident Evil en plus, je dis des bêtises, sur Netflix, je crois. Ah! Oh, elle m'a attaqué la pute! Attends. C'est super dur de viser un serpent. Ah, mais d'accord, non, mais c'est bon là, au bout d'un moment, merde! Oui, bon, bah j'entends, c'est bon, venez. Bon bah c'est là les vipères, hein. Elles sont bien cachées dans des loots, c'est génial. Merci, j'adore l'idée. Déjà un épisode sur le film RE. Mais oui, mais j'étais même pas au courant qu'il existait en fait sans cette vidéo du DG. Oui, bah oui, il court, oui. Je lui tire pas dessus là? Je voulais la buter avant qu'elle me foute le feu à mon cul. Mais non, mais encore! Si je fais ça, ça la tue ou pas? Oh, pas. Super, j'ai un peu raté. Attends, je finis presque. Non mais t'es... Mais... Tu vises aussi bien que moi toi, dis donc. Mais là, ça le vise pas, attendez. Ah, c'est un peu au-dessus en fait. Attends, je m'entraîne. Va-t-il décéder un jour ? Je peux récupérer tous mes carreaux laissés de côté partout. C'est bon, j'ai pu. C'est compliqué. Bon, effectivement, c'est bien. Avec mon IM, c'est très très bien. Que j'ai... que j'ai des carreaux d'arbalète. Le pompe il déchire des bouches, ouais, moi c'est toujours mon arme de sauvetage, le peupon. Si je fais ça. Ouais, ça va être en bas du coup.
Un forastero! Il peut pas manger, lui. Après, mon couteau, il est précieux aussi. Je sais pas si je ferais bien l'utiliser comme ça. Du coup, ça fait quoi? Ça augmente... Restaure autant de vie qu'une seule arme, mais augmente la jauge de vie. Donc c'est bien ça, en fait. Je vais prendre tout de suite. Ça va me restaurer un peu de vie, mais ça va augmenter ma jauge de vie. Est-ce que ça a marché? Je sais pas. Ok, on va voir après. Chaque fois, j'ai pas du tout envie d'exploser juste parce que je me suis trop approchée. La hitbox du truc, elle me fait peur. Bon là, faut juste que je constate que c'est fermé. Bon, c'est comme d'hab, c'est tellement comme d'hab que... Ouais, je constate que hop, je peux pas y aller. Et du coup, voilà. Je vais juste vérifier pour voir si ça déclenche un truc. Cool! Généreux sur ce truc. Eh ben, va trouver quelqu'un capable de soulever ça. Oh, t'inquiète pas. Hein. On va trouver. Sois pas pressé quand même. Quelqu'un pour tirer les tuyaux, c'est médaillon bleu. Ah! Ok. On connaît les médaillons. Ok. Je vais le faire à l'explosif. Non, j'étais en train de recharger puisque je recharge tout le temps. J'ai pris le réflexe de le faire tellement en permanence. Du coup, je le fais même quand je suis pas sûr. Oui, je vais te réparer. J'ai entendu un rugissement énorme. Oh punaise! On est mal barré. Je peux pas monter? Non. Y a pas de médaillon ici, hein. Mais je pense que c'était mon ventre qui a gargouillé, t'inquiète. T'inquiète, c'est normal, t'inquiète. À ce temps-là, c'est normal. Ah, ça me donne faim. Je parle de ventre qui gargouille. Mais j'ai toujours pas cette clé là, ça rend ouf. On voit partout. Oh, le vendeur. Safe zone. Il est là. Il y a un ascenseur. Ok. Pas trop creepy. Et c'est hexagonal. Ok. Oh, la grotte, elle est classe, hein. J'aime beaucoup. Y'a pas de mal à se faire plaisir. Y'a assez d'armes ici pour former une guérilla.
Bon, vaut mieux, hein. Ah, suite du marchand. Cashback. Au lieu de laisser des arbres inutilisés prendre la poussière, pourquoi ne pas les vendre et profiter de cet argent pour améliorer les armes que tu utilises vraiment? Lorsque tu prends une arme que tu as améliorée, tu récupères quasiment tout l'argent que tu as investi dedans. Ne cherche pas d'astérisque ou de petites lignes cachées, il n'y en a pas. Vraiment le goat. Bienvenue. En fait. En quoi puis-je t'être utile? En plein de trucs, mais je sais pas. Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. Peut-être vendre le Punisher parce qu'en vrai, moi je pense que j'utiliserai pas. Ah non, j'utiliserai pas. Je regrette de l'avoir pris. Peut-être le reprendre en échange. Ah non, je peux pas. Tant pis. J'ai pas de nouveauté. Ma marchandise est en parfait état. Je te le promets. Oh bon, au bout de 3 files d'attente, j'ai quitté. Je voulais un contenu pour mon stream. Oui, j'ai eu des décos. Mais j'en ai eu même... Enfin, juste dans le menu, en fait. Donc, refil d'attente. Donc non, tant pis, je jouerai demain dans l'après-midi, on verra. Grenade aveuglante, est-ce que je prends? Je sais pas, je sais pas si c'est bien pour les zombies. Ah, je peux le racheter quand même. 10 000 boules, hein. Coucou Royal, on te dit coucou Royal. Bonne nuit Grisou, des zoupies. Faut que je me lève tôt pour partir demain, ouais, pas de soucis, très bonne nuit. Ça va être un dimanche pour voir vos persos FF14, ça va être cool. Hello Surf Moine, comment qui va celui-ci? Oh là là, je suis trop à l'aise sur Resident Evil, ça fait trop plaisir de rejouer au 4. Franchement, je suis difficile à... Je pensais pas en fait que ça me ferait autant plaisir d'y rejouer. Parce que autant j'étais très fan quand je l'ai découvert, c'était mon premier Resident Evil. Autant... Y a-t-il quelque chose de plus beau? Oui. Autant j'avais un peu oublié à quel point je kiffais jouer à ce jeu. Maintenant. Capacité. Cadence de tir, c'est bien aussi. J'aurais peut-être mettre la cadence de tir à mon peupon. Qu'est-ce que t'en penses, Royal? C'est nickel, il me dit. Soit je mets de la cadence de tir à mon peupon, soit je mets de la puissance au lance-carreau. La cadence de tir au lance-carreau, c'est bien aussi. Après, il était un peu puissant celui-là, donc si je rajoute de la puissance, je serais peut-être bien contente quand même. Je pense que je vais utiliser. Le temps, c'est de l'argent, tu sais. Oui, bah 2 secondes, je réfléchis. Attends, ça coûte cher toutes tes conneries là. J'ai mis de la puissance au peuple. La cadence est 10 000. Est-ce que vraiment la différence est assez intéressante? Je sais pas. Ah non, j'ai pas mis. Non, c'est la puissance de base. Allez, je mets de la puissance. C'est un travail qui demande de la finesse, étranger. Je sais. De petits ajustements peuvent faire toute la différence. Je sais. Tu verras. En témoignaque. En témoignaque, ça aurait été plus mieux, sur Moine. Ça va? Un couteau a besoin qu'on s'en occupe. La vie ne tient parfois qu'à... Mettre de la résistance. Comment ça vient cerner tes goûts, étranger? Et je vais vendre un diamant seulement. Trésor, enfin, un rubis. Une affaire bien conclue. Et le réparer. Là, je pense qu'on est bien. Là, ça me semble être des bons choix. On verra. Voilà. Est-ce que je peux t'aider pour autre chose? Bah, me dire où sont les autres vipères, là. J'en ai pas trouvé, moi. Ah, tous les bruitages, ils me font plaisir. Du coup, on a un ascenseur. Très bien. Et là, c'est quoi? Ok, je sais pas par où passer. Et l'ascenseur, il m'amène où? Je sais pas dans quel ordre je suis censé faire. Oh. Machine à jetons. Oh, il y avait des machines comme ça. Enfin, il y avait des petites machines un petit peu dans Resident Evil 8.
Insérez 3 jetons d'argent ou d'or dans une machine à jetons pour obtenir un porte-bonheur. Trop bien! J'aime trop ça! Plus vous utilisez le jeton d'or, plus vos chances d'obtenir un porte-bonheur seront rares sont élevées. J'en ai pas. Oh, y'a un stand de tir! Oh, mais c'est trop bien! Ah, j'aime trop les jeux dans le jeu! L'ascenseur de fou, il est très beau l'ascenseur. Détruis les pirates et vise le meilleur score. Les armes et munitions sont illimitées. On a un gâché, c'est gratuit. En fonction de ton score, tu obtiendras des jetons qui te permettront de remporter de magnifiques lots. Des lolos. Insère tes jetons dans une machine à jetons pour obtenir des porte-bonheur. Oui, ça j'ai vu. Machines sont remplies de trésors que l'on trouve nulle part ailleurs. Truc astuce. Tu peux détruire plusieurs cibles d'un coup en tirant sur un bâton de dynamite ascension. Si tu tires sur un marin, tes points de pénalité seront déduits de ton score. Certaines cibles nécessitent plusieurs tirs pour être détruites. Tire autant de fois qu'il faudra pour en venir à bout. Lorsque certaines conditions sont réunies, les cibles bonus peuvent apparaître. Conditions varient d'une épreuve à l'autre. Attendez, je remets ça bien parce que ça me fait froid dans le dos. Donc je le mets voilà, comme ça. Ok, let's go! Avoir des marins en moins. Bon, mais bien installé le marchand, mec. Oh, quel kiff. Ok, je regarde s'il y a un autre à loot autour. Matar pirata! 400 points les gros pirates avec le chapeau. 200 points les pirates torse-poil avec le ruban. Oh, le ruban, le bandana. Moins 500 le marin. Et une tête de porc et un bâton de dynamite, et ça aussi, il faut les viser. Ok. Mais trop cool, en plus, une ambiance pirate. Oh, un Resident Evil pirate où on tue des pirates zombies. Et des requins zombies, ça y en a déjà eu, mais Oh, ce serait stylé! Un Resident Evil pirate. C'est Léon qui devrait être torse poil. Du coup, je choisis. Je vais faire le premier. Je vais faire le premier, je bois un coup et puis let's go. Hein. Mais c'est trop cool. On rappelle les épreuves qu'on avait dans les Zelda. Toi t'es méchant toi. Toi t'es gentil, toi t'es méchant. Toi t'es méchant. Merci. Avoir un S. Ambiance de fou. Prends le C12 avec le supplément maquis saumon, s'il te plaît. Bien. Je m'attendais pas à ce que tu fasses aussi bien. Bah, tu me joues, c'est sûr. Attends, je remercie. Je me trompe. Les cibles disparaissent au bout d'un moment, hein. Ne laisse pas le menu frottin te détourner du gros poisson. Ok. Avec le peupon, j'adore le peupon. Oh, ah non, c'est le snipe. J'aurais pu l'avoir les deux. Je pense que je vois pas un S. S c'est quand t'as vraiment tout tout tout, je pense. Épuisant les décos. Y'en a pas sur Resident Evil. Tu as un ton pour ça, mon ami. Thank you bro. Une carabine te permet. Ah, le jeu est gentil. Plusieurs cibles d'un seul coup. En revanche, la cadence de tir peut laisser à désirer. Mais tout à fait, ouais, je connais.
Je connais le pistolet, je connais le sniper, je connais le fusil à pompe, je connais la carabine. Non, c'est rechargé, je voulais pas. J'ai pas besoin. Je vois pas. Je comprends, hein. Je fais nawak, je fais nawak. Pas fou, pas fou. On va refaire celui-là. Non, on fait celui-là, on fait celui-là. C'est pas possible, ça. Quoi ? Oh bah ça commence super bien, déjà. De viser la tête. Ça fait deux fois que je rate, celui-là. Je gagne un en rang B. Nous t'avons peut-être un peu sous-estimé. Ouais. Pas le plaisir d'éviter la prochaine fois, s'il te plaît. Bon, on va pouvoir utiliser nos jetons. J'utilise tout, moi. À une prochaine fois, j'espère. Aïe, je me suis cogné. Ah, j'ai quoi? Vous accrochez de nouveaux porte-monnaie à votre mallette. Fréquence de bonus de création de cartouches de fusil à pompe. C'est pas grave, ça valait le coup de souffrir. Il y a ma lumière qui s'est éteinte. Parce que je me suis cognée et qu'elle est sensible. Ok, j'en remets. Oh, mais j'aime trop ces jeux-là, là, les singes. J'ai des gachas, quoi. Ça doit avec marteau faire récurrence de bonus de création de munitions de pistolet plus 1%. Mais j'aime bien des trucs qui ne concernent pas les créations de pistolets, genre... genre bonus de vie, des trucs comme ça. Ok. Elle est où ma mallette? Ah oui, faut que j'aille là-haut. Je retente d'avoir assez de jetons. J'attends d'avoir assez de jetons pour pouvoir... ravoir. Je vais arriver. Pour pouvoir en faire un autre et puis les on se casse. J'avoue que ça m'amuse beaucoup. Hein. Oh mince! Et voilà, j'ai encore raté lui. Nul! J'ai encore raté, j'avais oublié. Ah, mais j'ai pas de récompense! Je m'attendais pas à ce que tu fasses aussi bien. Ah mince! Ah, mais ouais, faut pas, je peux pas le spammer pour essayer d'en avoir plein alors. Ok. Maintenant on sait! Eh ben. Oui. Bah oui, mais bon, j'aimerais bien rester. Hein. Moi j'aime beaucoup cet endroit. C'était très sympa! Il est trop bien ce vendeur. C'est trop le bro.
Jette un œil, quelque chose va forcément te plaire. Peut-être. Attends, je vais là-dedans. Je vais voir ma mallette. Voilà, j'ai mes porte-bonheur. Fréquence de bonus de mission pistolet plus 30% de création. Bon, niveau pistolet, je suis bien normalement. Là, j'ai double bonus là. J'espère que c'est cumulable, mais je pense que oui, sinon ça aurait pas de sens d'en mettre plusieurs. Ok, bon, on est bien. Entre tes soins, tes balles, tes flingues, il y a une vipère qui se balade. Ouais. Ouais, je vais la ramener. Mais bon, faut que j'attende d'en avoir 3. Alors pour le moment, elle reste là. Ah, hein. Au père du marchand, traverser le lac. Mais je traverserai plus tard. Ah, je peux descendre. Je veux bien y aller, moi, mais j'aimerais bien savoir où est-ce que ça m'amène, ça. Ça m'amène à un endroit d'où je viens, c'est ça? On va y aller vite fait, quand même. Il y a peut-être une vipère. Ah, là, il y a une échelle. Ah, mais je pense que c'est là, la suite. Oh, le lac. On va voir la bébête. C'est les flics du début, ça, je pense. Ah, quoique non, ils ont l'air habillés différemment. J'aimais beaucoup la baston sur la flotte. Le boss sur la flotte. Très cool. Nemo ? Nemo, il a géchant, hein. Et du coup, faut que j'aille là-bas. Tout à fait. Il y a un bateau, en fait, bro. Mais avant. On va descendre là, on va voir. Il a bien grandi, pépère. Petit Nemo devient grand. Nous avons rangé le carburant pour le bateau avec les groupes électrogènes, le bâtiment de traitement de la ferme piscicole. Ne portez que quantité, vous avez besoin. Cordialement, ta mère. Non, j'imagine forcément Sadie avec colère et accent du sud. T'as abandonné du coup? Bah c'est pas question d'abandonner ou quoi, je serais pas en live, moi j'aurais continué la file hein. Mais je suis en live quoi. Merci beaucoup, Dilla Series pour le raid qui était sur Fortnite. Merci beaucoup. Toi qui cherches à faire du FPS en ce moment, si tu veux faire du Overwatch, ça peut me chauffer hein. Attendez, j'hésite parce que là j'ai l'impression que je commençais à looter plein de trucs et tout. Et il y avait quand même un endroit qu'on n'avait pas visité juste avant, donc on y va. Mais t'avais pas que 20 minutes? Non, j'avais pas que 20 minutes. T'avais une heure après. En fait, j'ai eu 38 minutes d'attente. Enfin, après j'ai une grosse file d'attente au début, que j'ai faite en live. Puis déco au bout de 30 minutes, puis 38 minutes d'attente à peu près. Puis je suis retournée sur le menu principal, puis erreur, puis 20 minutes d'attente. Puis je suis, j'ai eu une, j'ai mon jeu qu'a... enfin j'ai tout qu'à crash parce que j'ai fait une mise à jour. Et du coup, là on avait une heure d'attente. Du coup j'ai fait bon allez stop. Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, hein, le gameplay file d'attente, c'est peut-être pas le plus intéressant. C'est des poissons ça? Ah mais oui c'est des poissons, je peux aller dans l'eau du coup. Oh, je peux pas. Dommage. Raté second crash, il s'est passé quoi? Erreur, juste. Ah, le crash, c'est parce que j'ai fait ma mise à jour à Nvidia, qui était liée à Diablo, et je me suis dit, tiens, ça pourra peut-être aider. Moi, je suis pas sûre, en fait. J'entends un truc à taper. Il est où? Il y a une petite poupée que je dois éclater.
Mal de tête, c'est normal. Ah ouais? Un gros bisou. Merci beaucoup. Vous avez fait un slash ou tout? Oui, vous avez fait un slash ou tout. Montre à Gousser. Alors ici, il n'y a pas quelque chose à... sur lequel je peux tirer? Je l'entends, hein. Là, ce bruit, je crois que c'est les petites machines, là, où j'ai une mission qui me demande de leur tirer dessus, les petites poupées. Ah, je peux monter? Ah bah oui, c'est de la douche. Je vais peut-être regarder depuis là-haut. Leon! Tu aussi, mais je l'ai pas faite. Mais j'aurais pas dû la faire. C'était un peu idiot de ma part. C'est tant pis. Attendez, on est d'accord, hein? Là, le bruit qu'on entend. Ça peut être au-dessus, là? Ah oui, elle est là! Je t'ai vu! Attendez, je vais essayer de le faire plutôt au carreau d'arbalète pour peut-être récupérer le carreau. Oui! Voilà, ça c'est cool. Rien que pour ça, c'est cool l'arbalète. Je ne regrette pas. Ici, on a tout fouillé, je pense. On n'a pas de révélio pour vérifier, mais de toute façon, je pense que c'est ok. On remonte. Gros bisous, Dilo, gros bisous! On verra bien. Ouais, je sais que t'avais pas trop accroché. Salut, étranger. Très gros bisous. À dimanche. Pour la découverte de FF14 avec Kilo et Antemonia sur nos chaînes respectives. Des gros bisous. On fait toujours un même save, hein, j'ai rien fait de différent. Un con qui m'a pris trop la tête de ouf aujourd'hui. J'ai fait un petit stream pour penser à autre chose. Ça va mieux. Ah, tant mieux. Ça stream quoi? FF14, on va commencer vers 21h, mais on aura la création de perso qui va être un peu longue, donc le jeu vrai commencera un peu plus tard. Hop. Du coup, je reviens ici pour finir de fouiller, puisque voilà, je me doutais que là, j'étais dans un espace trop grand pour que ce soit avant... pour que ce soit à faire avant... Enfin, bah, pour que ce soit pas la suite, voilà. Excusez-moi, je m'exprime extrêmement mal. Et je... Non, j'ai pas fini de fouiller, 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 non! J'ai pas fini de fouiller, merde! Ah, ça dégoûte, ça dégoûte. J'ai pas fini de fouiller. Eh non, 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 moi je veux looter, hein. Non, 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 eh, c'est qui est là? Je défonce. J'ai pas le temps, hein. Ou quoi? Dans une tétrasauce là. Limite je lui envoie un explosif à la gueule, hein. Attendez, je sais pas comment on l'utilise. Comme ça. Super. Ça a marché. Mince, raté. Oh putain, je rate. Non mais je rate tout. Oh, je suis désolée. C'est d'économiser au final, je rate encore plus. Recharge, t'en supplie. Ah non, c'est déjà fait. Ok, let's go. Ah oh non, c'est... Mais... Waouh! Oh, waouh! Je vais sauvegarder, donc ça va. Du coup, est-ce que je vais être avant la chute? Donc je pourrais tout fouiller avant? Ça m'arrange. Franchement, si c'est le cas, ça m'arrange. Ouh. Oui. Ok, ok, je vais fouiller. Le game U. C'est pour ça qu'exceptionnellement les streams se relancent à 17h pour le temps de créer le perso. Ah non, mais eh, on se rejoint hein, quand on se rejoint. Hein. Franchement, hein. Je suis pas pressée. Hein. Non, mais par contre, si tu veux le créer avant en T ou tu veux lancer avant, tu peux. Hein. L'important, c'est surtout qu'on découvre ensemble. Hop là. Pièce hexagonale, let's go. Ça marche pas. Ils auraient pu faire le plein. Oui.
Quelle bande de gredins. J'ai vite essoufflé mon petit Léon, dis donc. Sois pas fumeur, toi. Bah non, il fume pas. Il est essoufflé comme ça. Ah, pièce hexagonale. Hop là. J'ai hexagoné. Voilà, ça c'est bien. C'est très bien. Très bien, très bien. Superbe. On peut remonter. Vous avez trouvé un kit pour gagner plein de sous, du coup. J'ai acheté 34 000 objets dans... Wouh ! Mais 45 minutes pour les rendre au PNJ et il m'a donné en retour 3400 coffres que je dois ouvrir les uns après les autres. J'en ai ouvert genre 745 minutes. Ça va être un peu long. Je pensais avoir trouvé un glitch pour gagner plein de sous. Bon, peu de chance que ce soit le cas, hein, mais si c'est le cas, sache que tu risques de te faire ban si tu le fais pas remonter et si tu en abuses. Si tu l'utilises et que tu le fais pas remonter. Enfin, si tu l'utilises surtout. Faut savoir que les admins ne déconnent pas trop avec ça, quoi. Et quoi avec FF14, c'est pas gratuit tout le temps, non? C'est gratuit jusqu'au niveau 60. Vladal, j'espère que... ne va pas planter. Ah oui, Diablo ne va pas planter, ouais. Je te le souhaite aussi, effectivement. Et on fait du fatness, il se lève des triple cheese. Écoute, le résultat, c'est une bonne idée, quoi. Il glisse, mais c'est pas glisse, c'est la bonne manière de jouer au jeu. Ah ok. Au final, ça rapporte pas beaucoup pour beaucoup de souffrance. Mince, je suis descendu, je voulais pas descendre, excusez-moi. Ok, ok. Allez, on y va, excusez-moi. Je t'ai pas concentré, alors on va se concentrer. Au niveau de ça. J'ai pas de quoi me faire un soin, mais j'ai ce soin-là et j'ai mes petits œufs. Pourquoi il y a ça, une extension en fait de mon truc? Ah si, il y a ça et ça. Ah, mais c'est une jaune et une rouge. Ah bah non. Je crois que jaune et rouge, ça fait rien. Jaune et rouge. On monte la jauge de vie. Ok. Ça peut être intéressant pour tantôt. Est-ce que je peux me crafter des balles de peupon? Ça, je prends. Le reste, on va voir. Bien ces triple cheese, j'avoue. Merde, c'est pas ma journée. Ouais, oh, il me tue direct. Ok, 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 je déconne plus, je déconne plus, je déconne plus. Oh, il me tue direct, il me one shot. Ok. Désolé, j'arrête les conneries, je vous promets. C'est bon. Merde, c'est pas ma journée.
Elle est pas morte. Fais chier. Ah, il est nul quoi. Ah la garce. Eh ben. Et si je prenais les œufs pour tester? Mais c'est pas mal les œufs en vrai. Dégueulasse. Les œufs c'est la strat. Il y a une hein, vous avez entendu. Je vais arriver. Il y a une vipère. Elle doit être là-dedans. Pas du tout. Elle est là. Il m'en faut 3, je crois. Mission. On a dû prendre mon snipe hein. Bon, je viens de là, ok. Qu'est-ce que c'est ça? Grenade! Faudrait que je les utilise plus quand même. Ok! Je sais plus s'il m'en fallait 3 ou 5. Mais c'est un début. Il va prendre froid. Mais non, ça n'existe pas. Par contre, ceux qui disent c'est des zombies, et j'aimerais bien nettoyer la zone et tout fouiller avant de me casser. Bon, ça va me frustrer. J'entends le bip. Hein. Il est là. Ok. Je vais pas pouvoir trop m'en servir malheureusement. J'ai raté. Merde! Au moins ça, ça va les avoir tous les deux. Oh, ils sont morts! Nice. Derrière moi, il y a quelque chose qui s'est relevé! Quelque chose qui va se relever, fait chier. J'ai pas tué à temps. Oui, bah on a gaspillé beaucoup de balles, Léon, alors te la pète pas trop, hein.
J'ai vu un truc bleu. Je pense que c'était une illusion d'optique. T'es combien dans ce village? C'est vrai que... Et puis t'as vu, c'est que des vieux, hein. Bon, j'avoue, le fait qu'ils soient morts, ça les vieillit un peu. Mais ils ont l'air quand même vieux, hein. Je vais pas te dire. Ouh! J'en ai... Il me faut combien des vipères? Je vais vérifier. Oh, ça me prend une place en plus de fou! 3. Let's go. Attends la vipère. J'aime bien voir vos blagues un peu potages dans le chat. Comment tu sais? Les rigolos. Ah. Il va avoir un cadeau. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des potions. Je pensais que je peux récolter un Arrête la vipère. Imaginons. On va faire ça pour récupérer. Genre, je fais ça. Ça me donne un black bass. Ok. Et je peux le manger, genre? Genre, c'est de la vie? D'où est nutritif? Il te permet de regagner de la vie. C'est la strat black bass, hein? Bon, après ils prennent beaucoup de place, mais bon. C'est pas ici que j'ai cassé un truc pour le faire tomber? Oh, je sais plus. Je veux bien tout fouiller, moi. Hein. Ah, c'est là. Comment que j'y vais? Comment ça? Ça se gère, ouais, c'est ça? Semble à rien mon inventaire entre mes vipères et mes black bass. Ah, c'était là! Une pipe! Je ferai pas de blague. Mais ça s'est bousculé dans ma tête! Pardon, pardon. Oh là là. La lourdeur. Pipe Léon. C'est un peu ça que j'avais en tête, ouais. Petite pipe Léon. Petite soirée pipe. Je vais trop loin. On peut toujours aller plus loin. C'est ça le truc. Ok. Ah. Bon, je peux le faire au coutal. Parce que j'ai peur que j'ai peur que parfois mes carreaux se cassent. Ok, bah j'ai bien fait de passer par là effectivement. Je peux monter, je peux aller là. Les deux me semblent yimbes. Je vais monter d'abord parce que ça j'ai l'impression que c'est la suite là. Attendez, je vais regarder sur la map. Ouais. On va monter. Là, je pense que j'aurais bien fouillé la zone quand même. J'espère que j'ai pas oublié de. Ah, punaise. J'espère que j'ai pas oublié de petits médaillons bleus. «
Quand je pense que je me suis retenue de dire mouillé au lieu de humide et vous faites tellement pire que moi. Effectivement. Je t'entends. Elle m'a dit Kekonyo. Les mots blessent, tu sais. Ah, j'ai récupéré... récupéré que deux carreaux, mais j'en ai envoyé trois, non? Je sais plus. C'est chiant. Voilà. Ah mais... j'espère encore plus de balles, hein. Un peu ripou, la meuf. La thune ! J'ai entendu du bruit là-haut. Ça va descendre sur ma gueule. Il est tombé ! Mais alors ? Il est bourré ? Ok. Bon bah je pense qu'on peut, on peut aller à la suite. J'aurais vraiment... je pense que tous les médaillons sont dans le coin en fait. Quoique non, ils ont pas l'air là. Il y en a un là. C'est là d'où je viens, non? Il y en a un là. Merde, j'en ai oublié plus... j'en ai raté plusieurs. Je pense qu'on va revenir sur nos pas de toute façon pour aller au bateau. Donc on essaiera de récupérer tous les médaillons qui manquent à ce moment là. Roulade dans la flotte, c'est une bonne idée ça. Je suis un serpent. Bon en vrai les bruitages c'est très pratique hein, mais ça me fait toujours rire que les serpents fassent. Petite clé. Je prends la petite clé. Et là, il y a R. Allez, on rentre. Et là, c'est fermé. Oh j'y casse tout. Ah oui, non, faut que je fasse ça. Ah oui, c'était l'essence qu'il fallait que je récupère. Bon, ça va forcément déclencher un event, je pense, une fois que j'aurai récupéré ça. Je vérifie si j'ai bien tout. Oui, j'ai compris, il y a des serpents, c'est bon, j'en ai assez. Là, c'est buté, non? Attends, je peux le faire au couteau? Je sais pas viser. En vrai, je me dis que je pourrais revendre les suppléments. Peut-être que j'ai en... ça en plus. Non, il y avait pas de médaillon, là. Il y a un en... il y a pas des cadeaux en haut? Bah non, puisqu'ils apparaissent aussi sur la carte, donc je pense qu'on est bien. On est bien pour se faire accueillir. Je me fais engueuler dans une langue que je comprends pas. Je pense que j'aurai plus de place après. Non, c'est pas par là. Non, c'est pas par là. C'est par là. Ou alors c'est par la flotte. Non. De toute façon, je vais descendre là où il est quasiment. Ah! Il m'a dit une phrase.
Codes secondaires, quelque chose comme ça. Et l'autre, elle a répété, elle a redit la même phrase, mais en disant « Ouais !» au début. Comme si elle appuyait ce qu'il disait. Alors qu'en vrai, je pense qu'ils ne se répondent pas du tout. Hein. Pas des masses d'interactions entre deux. Entre les zombards, en fait. Pas trop. Et ça m'a fait rire. Ouais, tu veux secondaire ? Attention, hein ! Ça va se planter dedans. Ah ! Oh, la feinte qu'elle a fait ! Elle a baissé sa petite tête, là ! Attends, je te mets un coup de pied, je cours. Alors. Oh, ça va, faut que je m'en aille. Comment je m'en vais? Par où je m'en vais du coup? Parce que ça s'est tout pété maintenant. Ah bah par là, ça c'est sûr. On peut être zombie et solidaire, Lox. Tu juges sans les connaître. C'est bien vrai ça. Même les zombies sont contre la réforme. Tu sais dialoguer avec eux. Le dialogue c'est fini. Moi les révolutionnaires hein. Zombie ou pas, hein. Je fais le ménage. On appelle ça la méthode 49-3. Est-ce que... Ici donc. Donc faut que je passe par cette zone. Mais est-ce que après je pourrais revenir sur mes pas? Ah c'est la carrière. Je comprends leur point de vue. Mais le truc c'est que j'ai pas assez de médaillons là, il fallait que je trouve des médaillons, mais j'en ai pas trouvé assez des médaillons. J'ai encore raté des trucs moi je sens. Oh, oh le saut, attention à tes petites jambes. Mon nom. Ah il m'en manque une hein. Je peux pas les déplacer parce que j'ai l'impression qu'elles sont mises n'importe comment hein. Mais je crois que j'ai tout. Il m'en manque une. En 324 minutes, j'ai FF14 moi aussi. Ça serait cool. Ça serait un cool kit comme vous. Ah t'y as jamais joué? Toi non plus. Est-ce que je peux revenir sur mes pas pour aller chercher ce qui me manque? J'aimerais bien. Ah, je prends vraiment mon temps. Le jeu est cool. Ah, j'ai raté des trucs. Attendez, je vais un peu revenir sur mes pas. J'ai raté des trucs et je sais pas si à la fin du chapitre je pourrais y retourner. Donc déjà, on va faire ça. Toi, tu dégages l'odeur du combat, l'ami. tu dis que je pue. Eh ben, excuse-moi, il y a que de la bouillasse dégueulasse et des cadavres ici. En plus, j'avais pas vu les trucs là, mais c'est fou ça, mais c'est dingue ce que j'ai oublié. J'ai pas vu plutôt. Du coup, ici, un trésor déjà. Et ça, y a ça. Mais c'est fou, c'est fou. Je retourne juste vite fait chercher ce que j'ai raté et puis après on va au battle. Mais j'avoue ici il y avait des bruits horribles alors j'ai eu peur. Oui, un trésor dans le coin. Ah oui. Oh j'aurais dû faire avec un carreau d'arbalète.
Allez, c'est bon. Un trésor ici. Mais où ça? Non, je l'ai passé. Mais il est où le trésor? Un truc que j'ai fait tomber avant et il est tombé sur quelque chose et c'est foutu, je peux plus jamais récupérer, c'est ça? Ah bah non, mais c'est ça le trésor, mais je peux pas le prendre. J'ai pas la clé qui ressemble à un trou du cul de chat. De la qualité, rien que de la qualité. Ah bah non, mais du coup j'ai des missions. Tiens voilà, alors on fait ça. En quoi pas vendre. Échanger? Non. Bah attends, j'ai fait mes missions, non? Comme tu voudras, étranger. Bah attends, ah faut que... Destruction des maisons, ok, mais ça... Progression. Vendre 3 vipères, j'avais pas vu. Bienvenue. J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étranger. Parfait. T'es un vrai professionnel. C'est vrai, ça. Ah, bien joué. T'as prouvé que t'étais digne de confiance. Professionnel. Vipère à point. Et j'ai des spinels. Les spinels, je peux les échanger contre... Il y a certaines choses que l'argent... Bon, on va essayer de faire le viseur, alors. Hein. Plus tard. Moi oui. Attends, qu'est-ce que je peux vendre? Ça, ça peut être juste vendu, ça. Les richesses que tu amasses. Merci. La pupille aussi. Ouais. Ah, est-ce que je peux... Attendez. Est-ce que je peux la sertir de diamant, la pipe? Une pipe luisante, ça ferait. Désolée. Excusez-moi. Gaminé. Non, je peux pas. Mais si, là. Pardon, pardon. Il y aurait écrit là, on est d'accord. Si je pouvais. C'est pas dans Craft. Oui. Bon. Une affaire bien conclue. Comme d'hab, je vais réparer mon... Tes armes sont entre de bonnes comme neuf. Je vais faire dodo. Bisous un thé. Prends grand soin de Léon pour moi, dis-lui que je pense à lui. Bonne soirée, des bisous. Je lui dirai. Bonne nuit, Antonia. À dimanche. Pour répondre à tes besoins. Il y a des chances que demain je stream pas. On verra, on verra. Capacité. Privilégié la puissance pour le moment. Tiens, vois ce que ça donne, l'ami. Quelqu'un comme toi devrait tout de suite remarquer la différence. Et je vais garder mes autres sous pour le moment, je pense. Reviens quand tu veux, surtout. Est-ce que j'avais d'autres trucs à craft? J'ai pas vendu le Black Bass. Je peux refaire des cartouches, je peux faire des carreaux aussi. Mais une fois que j'aurai fait ça, ça foutu. J'ai quoi comme balle? 25 de peupon,
Quoi, j'ai que ça? Bon bah je crois que je vais refaire des balles de... Des balles de pistolet. Et je peux faire les carreaux. Ouais, je vais faire ça. On va prendre le batal. Oh ! Je l'ai vu. Bon, bah j'y retourne en fait. Parce que je sais pas si... Imaginons que je revois pas le vendeur, il se passe plein de trucs et c'est la fin de l'acte. Je sais pas si... Si je pourrais après valider mes quêtes dans un autre acte, dans un autre chapitre. Je sais pas du tout. Tu t'es occupé d'une Tout à fait. Mérite une récompense à la hauteur. J'ai plein de choses intéressantes avant. On continue à économiser pour ça. Je re-sauvegarde, histoire que ce soit bien validé, même s'il y aura sûrement une sauvegarde auto. Et là on se tire. Bon bah c'est cool. Je voulais valider ces deux quêtes avant. On est parti, on va faire une balade en bateau. Cinématique. Au milieu du lac, évidemment. Oh, ça fait du bien une douche. Vie. C'est pas faux. Mince. Retour, voilà. J'aime trop ce passage. Il ressemble à un triton. Ah oui, c'est vrai, il nous embarque. C'est vrai, c'est vrai. Ah mince, attendez, je remets ma cam. Faut que je fasse quoi? Harpon. Je sais plus ce qu'il faut que je vise, alors je vais faire comme ça. Je suis limité en harpon. Oh, je suis limité. Incroyable. Essayer de viser son corps, je crois que sa queue, ça lui fait pas grand chose. Je l'ai harponné, mais ça n'a pas fait grand chose. C'est bien quand même une barque avec plein de harpons. C'est pas commun. Voilà, ouais. Non, j'étais à droite exprès. Zut, faut que je fasse gaffe à ma barque.
J'ai pas le temps. Mais je rate de fou, Yogueno. Faut que je vise là où il y a les plantes sur son corps, je pense. Où est-ce que t'es ? Mince. J'ai fait vraiment au dernier moment. Et on est reparti ! Oh, elle est trop stylée ! Oh, elle est trop stylée ! Ah, j'ai essayé de pré-shot. Non. Trop loin. Non, ça l'a pas eu. Merde, mais oui, il fallait que je me pousse. J'avais mal anticipé. Effectivement, il pourra pas encaisser, non. Et pile poil. Voilà, à ce moment-là, je me refais sauter dessus. C'est la fin de Léon. Heureusement, Témonia n'a pas vu ça. Et toi, comment tu vas, Guigno? Évitez les obstacles. Votre bateau subira des dégâts si vous entrez en collision avec des obstacles ou si vous faites toucher par une attaque. Let's go! Le voyage en bateau! Bon, ça va, merci. Et bon, tant mieux. Tu fais quoi de beau en ce moment? Tu joues à des trucs? Tu peux peut-être passer? Ouais, on l'a vu juste avant. Ça l'a pas eu? Really? Ah, ça l'a eu. Ah oui, d'accord. Je rate. Vous pouvez pas l'éviter. Je joue beaucoup à War Thunder. Je me demande si c'est pas ce jeu là qui a eu une collaboration avec Plastic Dog Simulator, je sais plus. Resident Evil, ça me donne toujours envie de revoir les derniers films qui sont sortis. C'était trop top. Resident Evil, ouais. J'ai surtout envie de jouer au jeu, moi. En vrai, hein, j'aime beaucoup et tout ces jeux-là, cette licence. Mais je pense que vraiment, quitte à adapter une licence de jeux vidéo d'horreur ou de survival ou voilà, dans ce genre-là de zombies en film, Resident Evil, c'est un scénario beaucoup trop nanardesque pour être adapté. Faudrait modifier plein de choses.
Ah, c'est au-dessus, ça va. J'ai eu peur. Oula, beaucoup trop loin. Non, je vais me prendre, non, c'est bon. Chanté. On a battu Triton. On va pouvoir arrêter la VOD ici, des bisous VOD. Fin du chapitre.